que vous allez bien. On vous rappelle que nos agendas et nos cahiers textes sont disponibles dans toutes les librairies. On compte sur vous pour poster vos photos avec hashtag agenda Soleil Néo sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver l'agenda et le cahier de texte Sophie Fantaisie dans toutes les librairies. Et vous pouvez bien sûr poster vos photos avec le hashtag agenda Sophie Fantaisie sur tous vos réseaux sociaux. Bonne vidéo. Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et vous copains? Et vous? On s'est bien aussi. Merci. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le challenge Chips vs Will Food. C'est ça. Et ça consiste en quoi? C'est très simple. Et en fait, on avait déjà fait des challenges de cloche comme ça. C'est ça, c'est un peu un challenge cloche en fait. Sauf que là, en fait, on aura un paquet de chips. Enfin, dans une cloche, on aura un paquet de chips. Tu veux que je t'aide? Et dans l'autre, il y aura le parfum. Du paquet de chips. Voilà, l'aliment, imaginons par exemple des chips crème oignon. On aura les chips de ce côté là et les oignons de ce côté là avec la crème. Voilà, c'est ce que vous aviez fait avec les Pringles précisément. Voilà. Donc effectivement, sous une cloche, le paquet de chips, donc la chips en question, c'est sous ça. L'autre cloche, les aliments de son arôme. Exactement. Oui. Donc pour marquer le point, qu'est-ce qu'il faut faire? Manger l'aliment. Oui, voilà. Et si notre adversaire a envie de manger son aliment, on peut lui manger et gagner son point du coup. Ouais. Hein, Swan? C'est les règles des cloches classiques. Hein. Exactement. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts. Alors c'est parti. Go. On ferme les yeux et nous passons au premier mois. Choumi pour la cloche alors. Choumi, ok. Choumi. Choumi. Pierre. Ciseaux. Tiens, allez, c'est bon, je t'ai battu, arrête, sérieux. Moi, je commence. Oui, alors qu'est-ce que tu décides? Tu gardes ta cloche ou tu changes? Bon, je change pas, c'est bon. Hein. T'es sûr de toi? Ça ira, ouais, ça ira. Alors attention. De toute façon, tout se mange. Pour toi, oui. 3, 2, 1, stop. Yes. Oui. C'est plus le burger que j'aime bien. Le petit miracle. Les deux, j'aime bien les deux de toute façon, donc bon. Ouais. Et voilà, des chips. Je connaissais même pas ces chips. C'est hyper rare. Du côté de Néo, nous avons effectivement le paquet de chips saveur cheeseburger. Donc la Néo Tosange, bien sûr. Et du côté de Swan, l'équivalent sous forme de cheeseburger réel. Allez, bonne régalade. Donc je vous rappelle que pour marquer un premier point, il faut croquer. Allez, il faut manger. Alors. Attention, Swan, ça va tout tomber. Attention, c'est comment il le mange, sérieux? Est-ce que ça a vraiment le goût du cheeseburger, des chips cheeseburger? Bizarre. Ah ouais? Ouais, ça se mange, hein. Swan, t'as même pas fait de croque, t'as juste mangé du pain. Tu n'es pas censé goûter les chips, toi? Bah oui. T'es censé manger l'aliment pour marquer un point. Bah oui, Swan, tu fais un croque dedans ou je peux le manger? Swan, attention, si tu ne fais pas le croque, c'est Néo qui le fait et c'est lui qui marque ton point. Allez, un vrai croque. Pourquoi ici? Bah, du vrai croque dedans. Ouais. C'est bon, allez. À la base. Du coup, on est à un point partout. C'est comment, Swan? Bah les ingrédients se sentent pas, alors oui, c'est très bon. Tu sens pas? Mais c'est bien que tu viens de manger la chips, oui. Je pense que ça t'a pris toute la non, bouche. Hein. C'est ça, parce que les chips aromatisées, ouais, c'est... Ouais, ça donne un bon goût. C'est assez fort. Je crois dedans quand même, parce que bon. Parce que bon. Non mais c'est quoi ce challenge? Parce que bon quoi? Chacun mange l'aliment de l'autre, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas ça le challenge. Arrêtez de se manger. Bon, un petit peu de discipline, et nous allons passer au deuxième round. Ouais. Un point partout. Allez, go. Le deuxième round. Okay. Alors c'est un petit peu particulier. Les garçons ont gardé les yeux fermés. Ouais. Il y a que vous en fait qui regardez la vidéo qui pouvait savoir qui a les chips sous sa cloche. Alors, en fait, le paquet est trop grand. Ah, alors, du coup, c'est à Swan maintenant de décider. Ouais, ouais, ouais. Je sais pourquoi. Hein. Pourquoi? Ouais, à mon avis, il l'a senti de. Tu penses qu'il a triché? Il a dû ouvrir sa cloche. Néo, tu peux ouvrir la cloche? Non, oh, non, Swan. C'est évident. T'as triché, c'est sûr. J'ai senti que mon oreille. Ah, j'ai entendu, oui. Est-ce que ça passe, hein, je sais pas. De toute façon, est-ce que tu vas réussir à manger ces chips au fromage? C'est pas gagné, hein. Tu as vu son amour du fromage? Sans la bonne odeur du fromage. Je les aime pas tant que ça, mais je les aime bien quand même. Alors? Il dirait un micro, tu sais. Alors, c'est, bon c'est dur. T'as marqué ton point là, c'est bon? Ouais. Néo, mais c'est manger les chips. Pour ce deuxième round, un petit peu particulier puisque le sachet de chips ne rentrait pas sous la cloche, ça sera le seul. Hein. Du coup, on sait pas trop si Swan a triché ou pas. On est donc sur des chips saveur fromage. Et voici du côté de Néo l'équivalent avec un vrai morceau de fromage. Et là, je pense que Swan est ravi. Ouais, de l'avoir évité. Parce qu'il n'a pas pu manger, je pense. Il n'aime pas le fromage, vous savez. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. Allez, Néo. Un bon croque. Bon, c'est bon. C'était facile pour nous, il aime bien le fromage. Ça va. Ça va. Et Swan, je suis épatée quand même que t'aies mangé des chips au fromage. Parce que d'habitude, même il n'a pas été capable de se faire claquer quand même.
pas. Elles sont pas si mauvaises que ça. Oh, ça va. Dorénavant, à chaque fois que nous t'offrirons des chips, on les prendra saveur fromage. Ça te va? Pourquoi? Oh, c'était une blague, Pichou. Oh, allez, bon. Camille, suivant. Toujours égalité, 2 points chacun. Je vous que je comprends bien si ça te Troisième round. Cette année, de décider si il tourne les cloches ou pas. Franchement, je change pas. Tu es sûr de toi? Ouais, ça devrait aller là. Je change pas, ça ira. 3, 2, 1. Oh non! Oh non! Je ne connais pas ces trucs. Olive et herbe de Provence. Hein? C'était peut-être pas une bonne idée de ne pas changer Néo. Donc, Swan, c'est des chips aux olives et aux herbes de Provence. Votre aliment préféré à tous les deux? Évidemment! Les olives! T'es content, Léo? Je suis ravi. Alors, l'herbe de Provence, ça devrait pas causer de problème, mais les olives. Du côté de Swan, on a effectivement des chips aux olives et aux herbes de Provence. Donc, comme vous le savez, les garçons n'aiment pas les olives. Ni l'un ni l'autre. Du coup, Néo est tout à fait ravi d'être tombé sur les olives vertes. Avec un petit peu d'herbe de Provence quand même, ouais. Néo. Sympa. Attends, ça a l'air très appétissant. Un je suis sûre que tu vas régal. Allez, Néo, tu te souviens pour à quel point tu dois manger une olive. Que d'herbe de Provence. Bon, moi, j'aurais trempé l'olive en herbe de Provence, mais bon. Quand même. Comme tu veux. Swan qui est hyper suspicieux. C'est quoi ces chips que je ne connais pas du tout? C'est la première fois que t'en manges des comme ça, hein? En fait, c'est bon. Ils sont surtout herbes de Provence. Ah, oh, bah ça va! Votre olive a l'herbe de Provence. Allez, Léo, courage! Tu la croques, hein? Tu n'avales pas tout rond, hein? Un régal! Alors, Léo? Ah bon? Pour passer le goût, tu veux goûter une chips? Ouais. La tête! Léo qui se décompose au fur et à mesure. Ça va, Léo, tu te régales? Oh, c'est bon l'olive. Très bon. Un point de plus pour chacun d'entre ouais. vous. Ouais. Là je n'échange pas. Ok. Quatrième round. Attention. 3, 2, 1. Top. Yes. 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 Oh non. Oui. J'ai des chips. J'ai des chips dans le barbecue. Oh, soit t'as de la sauce quand même. Elle est bonne la sauce au barbecue. Bah, je peux la manger avec quelque chose. Non, non. Non, c'est juste la sauce. Genre, ouais. il y a les chips. Du côté de Néo qui est super heureux, ce sont effectivement des chips saveur sauce barbecue. Et effectivement, celle-ci, tu les aimes. Swan, pas de triche. Et du côté de Swan, eh bien, c'est l'équivalent en aliment, c'est-à-dire de la sauce barbecue directement. Oh, ça va être bon, Swan, quand même, mais c'est vrai que sans rien, c'est un petit peu dur. Hein. C'est parti, on va se régaler. Hein, Swan? Ah, il l'a fait. Attends, il vole le point, là, ça veut dire, là. Non, non. Oui, en plus, il a mangé avant que disait. Bon, on savait qu'il allait manger, Néo, c'est bon. Tu aurais pu le mettre directement dans la cuillère, oui. aussi. Oui, mais... Bon. Allez, Swan, du courage. Non, 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 tu te prends pas une chips dans la sauce, hein. Non, non. Allez, tu peux le faire. Une cuillère entière. Allez, allez, allez. Tu es prêt? Il y en a pas assez, hein. Oui. C'est dur, hein. Ça va, Swan? Mmh. C'est bon, t'as marqué le point! Super! Encore moi, faut que j'en mange encore. Ouais, c'est ça, oui. Et bien, c'est bon, vous êtes toujours égalité. Waouh! Vous en voulez pour ce challenge, hein? Allez, round suivant. Cinquième round, nous arrivons à la moitié de ce challenge. Je ne change pas. T'es sûr? Oui. 3, 2, tu vois, 1, top! Oh, yes! Oh non, Swan, comment tu... C'est un piment ou un poivron? C'est un piment. C'est un piment. J'ai trouvé la tête de Swan. Oh non, zut. Yes, yes. Effectivement, c'est un vrai piment. C'est un bon piment vert. Ouais, ça sent un vol de points, ça, hein. Ah, des chances, hein. Du côté de Néo, ce sont des chips saveur spicy, c'est-à-dire effectivement très épicé avec des piments. Et du côté de Swan, c'est l'équivalent avec carrément le piment lui-même. Oh. Moi, j'ai bien compris. Donc Swan n'est pas décidé apparemment. Non. Ouais. Apparemment, effectivement, non. Alors, bah, j'aime pas trop le piment en fait. Alors Swan. Non, non. Déjà, je vais manger mes chips. Tu j'arrive à les nourrir. Chips, pas... Je mange une chips seulement. Ouais. Bah une chips, ça pique. Donc tu manges une chips. Voilà, c'est bon. Elle pique ou pas celle-là? Moi j'aime bien. C'est un peu épicé. Il en faut plusieurs.
Non mais ça va. Tente un peu bon. Ok, bah on va voir si c'est épicé qu'un piment. Alors, sois c'est sûr, ouais. Tu renonces à ton point. Oui, bah tiens, je peux prendre. Bon. Tu renonces vraiment? Ah, c'était sûr. Soit n'aime déjà pas tout ce qui est un peu relevé, un peu épicé, donc... Par contre, Néo, faut le manger. Pas tout ça, mais... Ah ouais. Ça va? Ouais. T'es en train de prendre de ses couleurs. Ah ouais, t'es tout rouge. Ah ouais, t'es une gueule. J'ai bien aimé le... Ça va? Ouais, ouais, ça va bien. Tout rouge. Plein d'eau, s'il te plaît. Tiens. Je crois qu'il faut pas avoir d'eau après un piment, non? Et un mouchoir, s'il te plaît. C'est pas ça? Ah, je t'ai dit que c'était pas, hein. T'as mangé un énorme morceau, Néo. Ça va? T'es devenu, mais rouge. Comme le t-shirt. Comme le t-shirt. Ça, c'était bon. Du coup, tu marques pas le poids? Je veux du lait. Du lait? Ouais. Je vais chercher ça. A few moments later. Ça va? Ça va. Tu commences à reprendre une couleur normale. T'en veux encore? Alors, pour la petite histoire, Néo d'habitude ne craint pas du tout le piment. Mais là, papa est venu le goûter du coup, suite à ça pour se rendre compte. Et il est super fort. C'est la première fois que je goûte un piment aussi fort. Ben oui, t'as peut-être pas mangé, Swan. Hein. Première fois. Mais en fait, c'est le genre de piment, on en met des petites lamelles, mais ultra fines, dans un plat cuisiné, à peine. Et toi, t'as pris un énorme morceau. Bon, est-ce qu'on lui donne le point? Ouais, largement. Ouais, t'as tellement souffert. On lui donne les deux points. Ben oui, le sien et le tien, du coup. Il récupère les deux points. Pour Néo, t'as marqué deux points. Ouais, ça valait la peine d'avoir la bouche en feu. Ouais. Grâce à ton énorme courage, tu as marqué deux points d'un coup, donc tu as 6 points. Wow. Et Swan, 4 points. Allez, yes. Vous êtes prêts pour la suite, c'est qui du coup? C'est moi. Okay. Alors, je ne joue pas. Ouais, t'as le tricheur. Je sais pas, alors. 3, 2, 1, top. Oh, c'était facile dans les deux. Ah yes. Le cuit. Bah oui, il est cuit, c'est pas froid. Les rôtis. Alors du côté de Swan, bah, ce sont les chips saveur poulet rôti. Oh mais Swan, tu les aimes bien, hein. Oui. Et voici le poulet rôti pour Néo du coup. Ah, ça va être bien, Néo, après tout. Bah oui. Ça va faire du bien. Ah. Ça va éteindre l'incendie. J'espère. C'est bon? C'est dur, mais c'est bon. C'est dur? Bah ouais, c'est bon. T'as mal à la bouche? Ouais. C'est fou, hein. Disons que piment, t'as vraiment... Eh ben... Ouais. Du coup... Un point de plus pour Néo. Ouais. Et un point de plus pour Swan. 7 points pour Néo. Ouais. 5 points pour Swan. C'est à moi. Bah, du coup, vous êtes sûr? En fait, vous n'avez plus quoi. Ouais, ouais. C'est à toi ou c'est à toi? C'est à moi, ok. Moi, je change pas. T'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr de moi. Alors, 3, 2, 1, top. Il a fait le bon choix. T'as vraiment fait le bon Swan, choix. Swan, imagine si on tombe sur Céline Vinaigre, ça serait horrible. Et ben voilà, c'est horrible. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors du côté de Néo le Vénard, ce sont les chips saveur sel et vinaigre. Et effectivement, c'est mieux en chips, hein. C'est sûr. En vrai, c'est plus dur quand même. Ouais. Du côté de Swan, c'est l'équivalent avec du vinaigre, de vin rouge et du Bruxelles. Voilà, Swan. Allez, bonne dégustation. Alors, je vais prendre un petit grain de sel. Franchement, à mon avis, le sel ça va. Ça va plutôt être pour le vinaigre. Non, franchement, ces chips, je suis pas fan, hein. Clairement. Elle arrache un peu. Hein. Bah, je suis pas très bonne. Hein. Désolé, mais. Regarde ce qu'il y a marqué dessus. Numéro 1 des ventes en Angleterre. Mais vous n'êtes pas anglais. C'est bien ça en Angleterre. Oui. On en trouve beaucoup là-bas d'ailleurs. Dans toutes les épiceries. Premier paquet de chips, c'est ça. J'ai une cuillère de vinaigre. Allez, vas-y. T'as vu, j'ai eu la bouche en feu, je sens pas le goût. Ça a pété. Oula, ça va, Swan? Ah, t'arraches. Tout ce qui pique, je sens pas du tout. C'est bon. Ouh, le courage pour marquer un point supplémentaire. Bravo, Swan. Ah, c'est tu as bu du vinaigre. C'est horrible. Énorme progrès. D'habitude, Swan dit, ah, c'est bon, je laisse aller mon lion. Là, on sent qu'il essaie de se battre quand même. C'est bien, Swan, un point de plus. Ouais. Néo est toujours en tête avec 8 points et il y a 6 points pour Swan. Se décompose à côté. C'est à moi. Est-ce que tu échanges ou pas? Non. Tu es sûr? Attention. 3, 2, 1, top. Oui.
c'est des chips au jambon. Ouais. Ça va aller pour Swan là. Ouais, pour moi aussi. Préféré. Ça va aller, tu vas pouvoir marquer un point. Ah. Le problème, c'est que Néo va marquer le point aussi. Bah oui, c'est dommage. Là, c'est sûr. Ouais. C'est parti. C'est non, parce qu'il laisse la feuille, tu vois. La feuille, non, c'est du légume. Non, non. Basilic, non. Basilic, c'est un petit arbre qu'on a dans la cuisine. Pour Néo, ce sont donc les chips saveur jambon de pays. Donc jambon cru si on veut. Oui. Et du côté de Swan, c'est l'équivalent, ou c'était l'équivalent, parce qu'il en manque déjà un, en vrai jambon. Avec la petite feuille de basilic. Bon, je pense que Swan a marqué son point. Là, il n'y a pas de question à se poser. Ouais. Non, là, allez, non. C'est parti. Courage. Bon là c'est facile. Alors. Oh là. T'as plus de goût en fait. Bah j'ai le goût mais je sens pas trop. D'accord, bon. Donc tu sens que c'est certainement pas mauvais quoi. C'est ouais. Un peu l'idée. Bon en tout cas ça te permet de marquer encore un point de plus. Ouais. Swan aussi. Donc pour l'instant Néo est toujours en tête. Mais je crois que Swan, ça lui est égal. Tellement content de manger son jambon. Allez, prochain round. Allez, c'est à toi, Léo. C'est à moi. Nous en sommes au 9e round, l'avant-dernier. Léo, tu es sûr? Ouais. Attention. 3, 2, 1, top. Bon choix. J'ai trop de chance. De l'huile. De l'huile d'olive. Non, mais ça ira. Ça n'a pas de goût, c'est comme si tu buvais de l'eau en fait. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais c'est gras. Ouais. C'est gras. C'est gras, c'est une création de sa ligne. Mais c'est la bonne graisse, l'huile d'olive, Swan. C'est bon pour la santé. Ouais, c'est, c'est très bon, il y a beaucoup de goût. C'est très bon. Il y a beaucoup de goût, moi c'est ça que j'aime bien. Du côté de Néo, nous avons donc effectivement des chips 100% huile d'olive. C'est ce qui est marqué dessus. Les chips méditerranéennes. Oh. Et du côté de Swan, c'est l'équivalent avec de la véritable huile d'olive. Alors Néo a clairement marqué son point, ça c'est fait. Et Swan, t'as marqué ton point avant, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Tu n'as pas besoin de manger de chips. Oui. Ton point est acquis. Voilà, voilà. Du coup, Néo est toujours en tête. Oh. Et il va rester seulement un round pour tenter de vous départager. Moi, ce que je propose, oui, c'est que ce round soit le gagnant. Bah, c'est-à-dire c'est le round de gagnant. Alors, surtout que là, franchement, il y a un aliment terrible. Je vous le dis. Là, je pense que c'est clairement ce qui va vous départager. Ok, donc c'est le round, celui qui mange l'aliment a gagné, clairement. Enfin, celui qui mange pas l'aliment, quoi, voilà. oui, enfin, celui qui refuse de manger l'aliment, c'est sûr qu'il perd le challenge. Vous êtes prêts? Go! Tu bouges la cloche, et pourquoi donc? Tu triches. Je bouge, je sais. Très bien, donc on referme les yeux, et je vais de nouveau mélanger les cloches. Petit tricheur! Oh là là! Je sais que c'est pas l'aliment. Bon, fermez les yeux. Ok, d'accord. Et c'est moi aussi, je triche plus. Ouais, mais c'est ça. Je viens de mélanger de nouveau les cloches. Alors, attention, attention, c'est qui choisit en fait? C'est moi. Alors, est-ce que tu échanges ou pas? Non, je n'échange pas. Tu es sûre de toi, Swan? Attention, tout se joue maintenant. On a dit que celui qui parvenait à manger l'aliment gagnait. Ok. 3, 2, 1, top pour nous. J'ai vu le paquet. Néo, t'es fichu. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Chèvre, piment. Encore des piments. Bah écoute, j'en ai mangé un, je peux en manger deux. C'est quoi ces trucs horribles? Sérieux? Bah oui. Alors, ah, alors attends. Ah. Effectivement, si tu arrives à manger l'aliment, sachant que c'est toi qui avais le plus de points avant, ouais. Ah, ça se discute. J'aime bien les chips chèvre au piment. Je pense que je peux bien aimer l'aliment. Du côté de Swan, nous avons des chips chèvre piment d'Espelette. Qui sont des chips sympas à déguster, hein, vous l'avez dit. Franchement, ouais, j'aime bien. Mais du côté de Néo, nous avons l'équivalent. Le vrai fromage de chèvre et les vrais petits piments rouges. Voilà. Garde Néo, comment t'as soigné? Mmh. C'est joliment présenté. Délicieux. Quand même. Tu remercieras papa. Oh, merci. Hein. Alors. Déjà, Swan, est-ce que tu vas le manger? Oui, déjà. Ouais. On va commencer par Swan. Est-ce que tu vas réussir, toi, à le manger? Bah, tu sais, j'ai déjà vu des saucissons de ce parfum. Oui, c'est vrai. Je vais goûter. Ah, bah, ça sent fort, hein. Ah bah oui, hein, écoute. Bon, alors j'ai le droit de prendre un petit morceau de piment comme ça. Oui, tu manges pas le piment complet. Oui, et tu mélanges par contre avec le fromage, parce que je sais que t'aimes pas le fromage de chèvre. Bon, voilà, je prends quoi? Bon, alors Swan, est-ce que attends, pour l'instant, Swan, je n'ai pas marqué le point. Retourne dans la situation. Comment tu t'es brouillé avec le piment, je n'ai pas du tout envie. Là, c'est des chips, Swan, hein, oui, mais je n'ai pas du tout envie quand même. Ok. Tout ce qui est épicé, je déteste. Mais bon, si tu veux gagner, il faudra tout manger.
les deux assiettes. Ok, pas de problème. Hein. Alors. Voilà, bon moment. Bon, ça c'est facile. Et maintenant, attention, Néo qui s'est déjà brûlé tout à l'heure avec un énorme piment vert. C'est du yaourt, un peu. Non, c'est du fromage un petit peu fait. Quoi. Ouais, bah, avec le fromage, ça devrait aller, ça devrait pas trop arracher justement. Ça va être en souffrance. Alors, est-ce que tu vas de nouveau te teinter de rouge comme tout à l'heure? On sent pas le piment en fait. C'est amer, et ça arrache un peu. Ah ouais. Ça y est, c'est reparti comme tout à l'heure. Ça arrache un peu, mais vu que je sens pas trop le goût, bah ça va. T'as de nouveau pris des couleurs. Vraiment. Ça va, c'est dévoilé, t'as aussi change. C'est bon, ça va aller. Victoire pour Néo. Ouais. Qui remporte le challenge chips haut la main. Oh la chips. En vrai, si j'avais pas goûté le piment avant, ça m'aurait vraiment arraché la bouche. Parce que là, je vois que ça brûle. T'es anesthésié en fait là. Ouais, mais ça brûle vraiment. Hein. Le piment est hyper fort alors que j'ai mangé un petit bout avec du fromage. Donc il est super fort celui-là aussi. En tout cas, bravo Néo. Voilà. Tu es le champion des chips. Oui. On va te donner un trophée, une chips d'or. Néo, tu as remporté ce challenge. Oui. Et tu as remporté les 10 sachets de chips. Bon, alors, pour commencer, tu vas manger celui-là. L'ultime cadeau, tu sais. Voilà, les chips, ça c'est bien. Le butin. Oui. Bon, finalement, vous avez vos préférences, évidemment. Oui, évidemment. Alors, moi, mes préférés, bah, c'est poulet, moi. Piment. Moi, c'est poulet, viande. J'ai bien aimé les herbes de Provence. Ah, finalement, t'aimes bien les herbes de Provence, là, tu vois. Bah, c'est les herbes de Provence qui sont bonnes. Hein. Et jolies, mais elles sont pas. Moi, j'ai bien aimé les deux piments, poulet rôti, barbecue, hein, voilà. Comme d'habitude, quoi. Ouais. Bon. Voilà, sinon on espère que la vidéo vous aura plu. Pensez-vous. Bonjour. Ça fait beau. En gros. Bisous. En gros. Bye bye. Bye bye. Plein de bisous. Bon courage à Néo pour se remettre de ses émotions. 10 chips. Mais c'est quoi cette blague? Mais. Voleur. Ah bah voilà, ils sont partis. Je vais pas rendre les autres. Ah, c'est les miens, je les ai gagnés.